monde parle de ça. Tout le monde. Les gens font des vidéos. Ils le disent. Ils ne sont pas de l'UFDG. Ils font des vidéos, ils vous le disent. Vous ne comprenez pas. Je vous ai déjà dit il y a 2 semaines. Vous ne comprenez pas. Je vous ai même dit. Je jure sur le Coran. Les vidéos sur lesquelles on m'insulte. Depuis après la constitution, là, je n'ai plus regardé les RPGistes là. C'est-à-dire, je vais les regarder pourquoi? Les gens disent que, hein, il faut savoir ce que le camp adverse raconte. Les camps adverses, qu'est-ce qu'ils vont dire? La personne a fait 10 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'on va me dire sur celui-là? Un vaurien. Quelqu'un qui défend un vaurien. Vous le regardez pourquoi? Quelqu'un qui défend un maudit, qui parle d'un maudit. Alpha est maudit, même Iblis l'a maudit, Iblis. Même Shaitan a maudit Alpha. Parce que c'est à cause de lui qu'on s'est rendu compte que Shaitan est en Guinée. Même celui-là l'a maudit. Donc ceux qui défendent celui-là, vous allez les regarder. Ça a quel sens? Sincèrement, logiquement, ça a quel sens? Moi j'ai dit aux RPGistes, arrêtez de me regarder. Je leur ai dit, arrêtez de me regarder. Je ne vais pas parler du bien de Alpha. Jusqu'à quoi? À quand je... Parce que c'est un vaurien, c'est un maudit. On l'a ramassé comme un petit chien. Le faire circuler dans la rue. Il y a des gens encore qui défendent cette personne. Et vous allez regarder ces gens-là. Vous leur donnez de la force. Les gens regardent. La communauté internationale regarde. On voit que il y a des gens qui le réclament. On regarde les partages, on regarde les vues. Je vous ai dit, quand je parlais de réclamation de victoire, je vous ai dit ici, faites, on n'a qu'à faire attention à cela. Que les autres se rendent compte qu'on réclame cela, on parle de cela. Ça aura un effet, directement ou indirectement. Ça va mettre la pression à ceux qui veulent dégager Alpha. Ça va faire toutes ces choses-là. Je vous ai expliqué ça. Le jour que le gars est sorti de prison, 17 000 personnes le regardaient, il paraît. Parce que moi, je l'ai regardé le lendemain. 17 000 personnes le regardaient. Pourquoi? Il a parlé de quoi? Quoi d'extraordinaire? Il a validé Alpha. Vous l'avez aidé à valider Alpha. Il a fallu que je vienne faire une vidéo pour que celui-là rentre sa tête. Arrêtez de regarder les gens qui ne parlent pas du bien de vous. La CEDEAO, avec tout ce qui s'est passé en Guinée, depuis combien de temps? Tout ce qui s'est passé en Guinée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire? La CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Dites-moi. C'est aujourd'hui qu'ils sont créés. C'est aujourd'hui qu'ils existent. C'est Alpha le chef de sorcier de toute l'Afrique aujourd'hui. Donc si Alpha tombe, ils vont tous tomber. Il y a des coups d'État préparés pour les autres pays. Si Mamadi Doumbouya tombe, les autres ne peuvent rien faire. Certes, ce n'est pas un saint, ce monsieur. C'est le fils d'Alpha. C'est lui qui l'a créé. Référez-vous à l'histoire de Moïse. Référez-vous à cette histoire pour comprendre ce qui se passe en Guinée. C'est pour qu'on donne la force à ce monsieur. Lui-même, il est en danger. Avec tous les rapaces et tous les requins autour. Maintenant, la CEDEAO va venir se rajouter. Et vous êtes là? Vous soutenez les gens qui réclament Alpha. Vous soutenez les gens qui parlent de Alpha tous les jours. Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. C'est-à-dire quelqu'un qui parle de quelque chose que tu n'aimes pas. Tu regardes ça. Mais ça signale aux autres que ce que la personne dit, les gens apprécient. C'est tout. Ce que la personne est en train de dire, les gens apprécient. C'est ça les réseaux sociaux. C'est ça les commentaires, c'est ça les partages, même les injures. Moi, je n'interdis pas. Je leur dis d'insulter s'ils veulent, ils n'ont qu'à écrire. Ça a son importance, c'est pourquoi je dis cela. Il y a des gens qui bloquent, qui me disent, je dis non, je ne les bloque pas. Mais vous ne voulez pas comprendre. Vous... C'est-à-dire, il y a des moments où je me dis, est-ce que ça va dans vos têtes, quoi? Je ne comprends pas, c'est-à-dire, j'ai du mal, c'est comme quand on m'insulte, je regarde. Je ne regarde pas, comment je sais ce qu'on dit dans les vidéos? C'est les gens qui me disent, ah, tel a dit que tu es assis, tel a dit que tu es comme ça. Je suis informée, c'est tout. Mais je ne regarde pas sur les vidéos, je jure sur le Saint-Coran. Mettez-vous à l'aise, je ne les regarde pas. Le moment de les regarder viendra. Mais ce n'est pas maintenant, parce que ça va m'enlever sur ma route. Parce que ça ne va rien m'apporter. Faites autant, faites la même chose. Il n'y a aucune nouveauté sur ces pages-là. Tous les jours, ils critiquent celle d'Alain, il paraît. Les gens m'appellent, ils me le disent.
que mais vos gens sont là-bas. C'est eux qui commentent, c'est eux qui partagent. Même les injures, il ne faut pas le faire, n'y allez pas. C'est Mamadi Doumbouya qui a fait le coup d'État. Pourquoi on insulte Selou Dalem? Pourquoi? Parce que c'est Selou Dalem qui a bloqué Alpha jusqu'à ce que le cœur de Mamadi Doumbouya est monté. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je me rends compte. Partagez la vidéo, partagez cette vidéo-là. Sinon, vous allez être très surpris. Très, très, très surpris. Vous allez être très déçus et très surpris. Billahi wallahi, vous allez venir me dire ici. Et ça, là, personne ne va vous enlever de là. Oui? Oui, oui. Je vous préviens. L'affaire de coup d'État de Mamadi, là, je vais vous dire certaines choses que certaines personnes ne savent pas. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a très longtemps, dans une discussion. Il dit que le Mamadi, là, vous savez que le Dr Fakoly a parlé de ça ici plusieurs fois. Ils ont dit que c'était faux. Ou bien, ok. La personne me dit que Mamadi Doumbouya de force spéciale a dit que s'il y a un enfant de l'Axe qui tombe maintenant, il va attraper Alpha Condé. Je vous jure que cette personne m'a dit ça. Je n'ai pas cru. J'ai dit, mais ce n'est pas les forces spéciales là qui vont là-bas tuer. Il dit non. Ce n'est pas ça la question. Il dit que le gars là a défié Alpha. Que maintenant, si un enfant tombe sur l'Axe, je t'attrape. Ça, c'est les coulisses entre eux. Ils ont commencé à traquer le gars. On ne peut pas tout dire. S'il a levé les PA, je ne dis pas que c'est un saint qui est venu changer la Guinée. Je n'ai jamais dit ça. Mais on est obligé de le soutenir et de passer par celui-là. Arrêtez d'aller sur les pages pour donner la force à votre ennemi. Arrêtez de le faire. Vous savez, les gens qui se sont battus ici, Fama Kanté est là-bas, Aji est là, Kania est là-bas, je suis là, il y a d'autres personnes. Je cite ceux-là parce que les autres qui regardent, regardent si c'est Diallo, si c'est Sow, si c'est Baldé. La communauté internationale s'en fout si c'est un nom de famille Peul. Tu veux avoir 10 millions de vues, ils s'en fichent parce qu'on a mis dans leur tête que c'est les Peul qui sont contre Alpha. Donc si nous, les autres ethnies, ceux qui ont les patronymes, qui ne sont pas des patronymes Peul, on sait pourquoi on le fait. Mais si vous continuez, Paikoussaré, partage ma vidéo sur ta télé là. Tous les autres, Aji, Kania, Mensbari, Compital, Fouta TV, il faut leur dire de partager cette vidéo là. La CDAO là n'a pas honte. La CDAO, c'est une sorte, c'est les chefs des sorciers. C'est eux les chefs de sorciers. Nyako, nyako. Ils ont fui pour aller en Guinée. D'habitude, ils vont, Alpha leur donne de l'argent. Mais là, là, ça m'étonnerait qu'il leur donne de l'argent parce qu'il est enfermé. Ou bien, ça va être très, très difficile qu'il leur donne de l'argent. Chaque fois qu'ils viennent en Guinée, on leur donne beaucoup d'argent. Vous avez vu François Soudan, ce qu'il a dit sur Alpha. Je vous ai toujours dit que c'est Outouréa, c'est pourri, c'est la merde. Il dit que c'est la présidence la moins sécurisée. Qu'Alpha est dans un appartement, je ne sais pas si c'est au premier étage, seul, il habite seul. On nous insulte ici à côté de Guinée-Kaba. Un président qui habite seul. Ce n'est pas Satan qui vous domine. Il faut que les petits jeunes garçons couchent avec ces ministres-là pour travailler. Ça ne vous dit rien. Les gens qui défendent ceux-là, regardez les quelles catégories ils sont. Regardez d'abord quel style ils ont. Vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de défendre, Cheytaï. Arrêtez d'aller sur ces pages-là. Arrêtez de donner la force à ces gens-là. Les gens les regardent, disent jusqu'à présent, on parle de Alpha. Les gens le réclament. Vous pensez que les réseaux sociaux, que c'est un jeu, que c'est la blague. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de la blague, c'est du sérieux. Je vous l'ai toujours dit, c'est ici que Alpha va tomber. Et c'est ici qu'il est tombé, c'est pas ailleurs. On prend une vidéo, puf, on nous envoie. On partage. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Je ne connais pas le nom de toutes les pages. Toutes les pages, partagez-moi cette vidéo-là. Parce que si tu vois que tu parles, c'est parce que les gens te regardent. Ton ennemi te regarde. Ça veut dire que tu as quelque chose que ton ennemi regarde, qui intéresse l'ennemi. Qu'est-ce qui va t'intéresser chez ton ennemi? Les gens s'assoient, ils tiennent des propos ethniques. Ils portent des propos ethniques. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché tous les jours.
vous les regardez, vous les partagez. Bon Dieu de bon sang, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous avez dans vos têtes? Les gens vous disent, mouton, vous êtes sur leur page. Vous allez faire que ceux qui veulent vous aider vous lâchent. Oui, ils vont vous lâcher et vous allez comprendre. Vous pensez que l'affaire de Peul, là, c'est une petite histoire? Parce que le Peul est proche d'Allah, c'est tout. Et c'est un territoire satanique. C'est pourquoi vous êtes dans l'émotion. Dès qu'il y a un truc, vous êtes les premiers dans l'émotion. Réfléchissez. C'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Réfléchissez sur du long terme pour qu'on vous respecte. Faites-vous respecter. C'est pas avec la force, c'est pas avec la violence. C'est la constance que la personne sache que cette personne a ses limites. Quoi que je fasse, cette personne a ses limites. Vous n'avez pas ces limites-là. Tu vas insulter sur la page de quelqu'un. Ce qui intéresse cette personne-là, c'est qu'on la regarde. C'est tout. Mais ton injure-là, tu as insulté pourquoi? C'est parce que tu as regardé ce que la personne a dit. Après, ça fait une vue. Maintenant, sans injure, ça fait 100 vues. Et c'est ce qui les intéresse. Proliférer Iblis. Donner la force à Shaitan. Mentir. Les gens là mentent. Ils ont menti. Tout ce temps-là, ils vous mentent. Ils mentent même à ceux qui les regardent. Vous allez donner force à cela. Mais dis donc, quand même, si tu veux qu'on te respecte, respecte-toi. Quelqu'un qui te manque de respect, mais ignore-le. Moi, il y a des gens ici qu'on m'a dit qu'ils m'ont insulté jusqu'à la fin de la vie. Je ne vais pas les regarder. Parce qu'il y a politique, il y a d'autres problèmes. Maintenant, si tu veux mélanger un problème que tu as peut-être personnel avec moi, ça c'est autre chose. Le problème personnel, là, on va faire ça. Alpha, c'est en train de finir. C'est pas fini, mais c'est en train de finir. Continue, hein? Logiquement, affaire Alpha, c'est fini. Ou bien, quelqu'un qui défend Alpha, pour qu'on regarde la personne. Mais c'est pour le ramener. Ça, c'est pour une renaissance. C'est pour une... Parce que moi-même, c'est les gens qui me disent, tel fait les vidéos tous les jours, tel fait... Dit, mais pourquoi? Pourquoi? Alpha est attrapé, tu fais les vidéos tous les jours, pourquoi? Vous réfléchissez pas à ça. Vous réfléchissez pas à ça. Et vous allez regarder ça. Ah, ouais, dis donc. Ah ouais, vraiment. Votre cas là, il y a un problème. Ah non, il y a un problème. Il faut faire beaucoup d'invocations. Je vous ai dit, c'est pas fini. C'est pas fini, même si Alpha part. Et ceux qui sont en train de dire qu'il faut juger Alpha en Guinée, je vais vous dire à vous aussi, quelle institution va juger Alpha? Quelle institution en Guinée va juger Alpha? Mamadi va refaire la justice. En combien de temps? Il va tout refaire, tout changer. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il va tout changer. En combien de temps? Et on va juger Alpha. Qui va juger Alpha en Guinée? Qui? Quel juge? Attendez. Hein? Allô? Comment ça va? Je suis en direct, je suis en direct. Il faut venir partager, je suis là. C'est pas dans mes habitudes, mais c'est urgent. Merci. Tu vois, tout le monde est surpris que Aji a dit que je fais un direct. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. J'ai reçu un message important là, je vais lire. Excusez-moi. Hein. Ah, ok. Je vais regarder ça. Vous comprenez? C'est pas dans mes habitudes à cette heure-là de faire les directs, mais je dis, je suis obligée de le faire. Il faut être catégorique et formel. Quelqu'un qui est mort, qu'on veut renaître, donc on parle de la paix. C'est la sorcellerie. C'est tout. Il y a un monsieur, une fois, qui a appelé sur un de mes directs, il l'a dit. Il dit, politiquement, Alpha est mort. Il dit, mais il faut qu'il soit mort spirituellement. Il faut se battre spirituellement. La personne a appelé ici. Il dit, c'est ce que les gens ne comprennent pas dans vos vidéos. Maintenant, sincèrement, pourquoi parler de Alpha tous les jours? Pourquoi?
Pourquoi critiquer Selouda-Len tous les jours? Pourquoi? Pourtant, les gens avaient dit que le peuple va aller attaquer la Guinée. Mamadi Doumbouya est peul. Ça, c'est le travail d'Allah. Vous devez le remercier. Continuez les invocations. Priez. Les prières de nuit pour que Allah revienne. Il va comprendre que les Guinéens ont compris qu'il n'était pas là. Il faut qu'il revienne. Mais vous allez regarder celui qui parle de Satan. Vous-même, vous dites qu'Alpha est Satan. Celui qui parle de Alpha de Satan, vous allez le regarder. Pourquoi? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Vous voulez que tous les jours on fasse des vidéos? Arrêtez de regarder tel, arrêtez. Vous pensez qu'on n'a rien à faire? Vous pensez que nous, on n'a rien à faire? On n'a que ça à faire? C'est quoi notre récompense? Moi, je ne suis pas payé. Je ne suis pas payé. Je ne veux pas être payé. Mais les gens qui m'insultent, les gens qui me dénigrent, qui me critiquent, vous allez les regarder. Les gens qui montent des groupes d'injures contre moi, je suis au courant aujourd'hui. Quand Alpha est parti, les gens m'ont appelé pour me dire que c'est telle personne qui a monté parce que la personne ne peut pas insulter, a dit aux gens d'être insultés. Vous allez regarder les gens là. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'intérêt. On ne peut pas vous respecter avec ça. On ne peut pas vous respecter avec ça. Je vous dis la vérité. Vous ne connaissez pas votre valeur. C'est vous qui donnez, c'est-à-dire la force à n'importe quoi et à n'importe qui sur les réseaux sociaux. N'importe qui et n'importe quoi. Les gens qui ne doivent même pas dire Guinée de leur bouche. C'est Alpha qui a donné l'autorisation là. À ceux qui ne doivent même pas dire Guinée. C'est Alpha qui a donné cette autorisation. C'est Alpha qui a développé les injures publiques sur les réseaux sociaux. Quand on le dit maintenant que c'est un maudit d'Allah, un maudit d'Iblis, il y a des gens qui disent que tu l'insultes. Quand on dit que c'est un délinquant, il y a des gens qui ne sont pas contents. Regardez comment on l'a ramassé. Comme un voyou. Comme un malpropre. Quelqu'un va s'asseoir, venir devant vous, sans avoir honte de défendre ça. Et vous regardez. Et vous partagez. Bon Dieu, le bon sang. Mais qu'est-ce que vous avez dans vos têtes? Qu'est-ce que vous avez dans vos têtes? Vous ne pouvez pas réfléchir un peu? Hein? Vous ne pouvez pas un peu réfléchir? Pour se dire que cette personne ne veut pas de moi, cette personne ne m'aime pas. Je vais pas la, je m'en fous. Moi aussi, je le laisse. Je n'ai pas à détester la personne, mais je le laisse. Moi, les gens qui ne m'aiment pas, je ne les déteste pas. Je les évite. Je les évite. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je vais les éviter. Je vous dis, depuis après la Constitution, moi, je n'ai jamais cliqué sur les vidéos des RPGistes. Que je rentre en enfer. Billahi wallahi. C'est les gens qui me disent. Tel a dit ça, tel a dit ci, tel a dit. C'est comme ça, je sais. Ça me suffit. Je me suis renseignée. J'ai demandé à un monsieur très calé en islam. J'ai dit, pourquoi je ne suis pas attirée sur ces vidéos? Il me dit, madame, parce qu'il n'y a rien pour vous là-bas. C'est des gens qui racontent des conneries. Ce qu'ils soutiennent, c'est le mensonge. Vous n'êtes pas pour le mensonge. Donc, rien ne va vous attirer là-bas. Que vous allez regarder les vidéos là, après, quand tout va finir, vous allez regarder, vous allez vous dire, ah, ils ont dit ça. Non, franchement, si j'avais regardé ça, j'allais dire ci, j'allais dire ça. Donc, Allah fait que tu ne regardes pas. Parce que ça va te détourner de ton objectif. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et faites passer le message là. Normalement, ces pages-là doivent disparaître. Si vous n'avez pas cette possibilité, ne les regardez pas. C'est tout. Ils donnent la force. Ils veulent faire renaître leurs sorciers en sorcellerie. Ils sont en train de faire renaître. C'est pourquoi il y a des gens qui vous disent, Mamadi Doumbouya va mal finir. Parce qu'ils ont des dons négatifs qu'ils utilisent. Alpha Condé va revenir. Ils le disent, il paraît. Pourquoi? J'ai regardé la vidéo de Haji. Je l'ai appelé ce matin, je lui ai dit. J'ai dit, la vidéo que tu as faite, Alpha Bamanfari, efface-la. Ah, la grande, j'ai dit, efface-la. Tu es en train de faire passer un mauvais message. Toi, tu dis que Alpha Bamanfari. Non, la grande, c'est une moquerie. Il faut lui demander. J'ai dit, non, ce n'est pas une moquerie. Ce n'est pas une moquerie. Tu dis aujourd'hui, Alpha Bambefari, c'est de Yahweh en Guinée. Toi, tu te bats contre Alpha. Ça, c'est un message que tu es en train de faire passer. Va effacer la vidéo. Vous ne savez pas comment les réseaux sociaux ont mis ce pays en retard. Il y a des gens que vous allez tuer ici un jour. Il y a des gens que vous avez regardé ici, vous allez les tuer. Donc, arrêtez de regarder les saletés, les conneries. Quelqu'un qui défend un malpropre, c'est un bon à rien. Ces gens-là n'aiment pas la Guinée. Ils aiment Alpha. Ce n'est pas la Guinée qu'ils aiment. Ils aiment Alpha.
Ils aiment Alpha parce qu'ils sont rattachés à lui par des liens maléfiques et négatifs. C'est tout. Regarde la Haute Guinée. Il a fait, qu'est-ce qu'il a fait en Haute Guinée? Rien. Mais ils sont derrière lui. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui te détruit, qui te torture, tu es avec cette personne. C'est que mentalement, il y a un problème. Il y a un truc qu'eux-mêmes ne contrôlent pas. Imaginez-vous. Si Alpha mourait au pouvoir, ce que ça allait faire. Si Alpha mourait au pouvoir, qu'est-ce que ça allait faire? Il allait avoir un truc, une confrontation entre les autres ethnies et les Malinkés. Vous voyez ici les gens. C'était toutes les autres zones. Hein? Mais on va faire ça au Malinké, on va faire ça au Malinké, on va faire ça au Malinké. Mais il a fallu, Allah amène un Malinké. Et puis c'est réglé, et puis c'est son fils. C'est lui qui l'a fabriqué. Je vois des images aussi qui circulent. Oh, ah, c'est les Français qui ont aidé Mamadi Doumbouya. Après, c'est les Américains qui l'ont aidé. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que la force spéciale là, a été créée par Alpha pour Kouanebo? Ce n'est pas lui qui les a créés. La force spéciale n'est pas à la Forcaria aujourd'hui. La force spéciale vit à Forcaria. Ils s'entraînent là-bas par les Américains qui les entraînent. Tout Forcaria est au courant, ils ne sont pas cachés. Là. La force spéciale, ce n'est pas illégal. Là. Ils vivaient là-bas. Forcaria, on les entraîne, ils vont au marché, ils vont en boîte, ils mangent, ils sont avec tout le monde, ils ont des copines. Ils étaient là-bas. Ce n'est pas caché. Maintenant, les Américains qui sont dans l'équipe de Mamadi Doumbouya, c'est son équipe. Ils font partie d'eux. Ces Américains-là font partie de la force spéciale. Maintenant, où est le problème? Quand toi, tu vas quelque part, tu vas avec ta délégation, non? C'est aujourd'hui qu'Alpha sait que c'est des Américains. Quand ceux-là rentrent en Guinée, ils sont venus comment? Vous faites les surpris. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il est sale. Il est mauvais. Il est bandit. Il est voyou. Mais c'est normal. Mais c'est un voyou qui l'a formé. C'est un voyou qui l'a fait rentrer en Guinée. Mamadi Doumbouya ne connaît pas la Guinée. Il est venu en Guinée en 2008. Oui, mais lui, il a travaillé en Guinée. Pendant 2-3 ans. Il a travaillé en Guinée. Ou bien? Et celui qui n'a jamais travaillé en Guinée? Celui qui n'a jamais travaillé en Guinée, vous le suivez, non? Vos parents l'ont suivi, vous l'avez suivi. Vous voyez la mauvaise foi. Les gens là n'aiment pas la Guinée. Ceux qui sont là, c'est pour mélanger les gens. Mais le mélange, le cocktail Molotov, la bombe qu'ils avaient organisée là, ce n'est pas parti dans le sens là. Ça, c'est Allah qui a fait honte. Mais il y a des gens qui n'ont pas honte. Comme ils n'ont pas honte, et il y a des gens aussi qui n'ont rien dans la tête qui les regardent. Soit disant, on va aller les répondre. Vous allez les répondre. Qu'est-ce que vous allez répondre? C'est à vous qu'on parle. C'est vous qui allez ramener Alpha. Vous avez la force là. Vous n'avez pas la force. Ne donnez pas la force à la bêtise et à la connerie. La CEDEAO, ce qu'elle n'a pas fait depuis que la Guinée est Guinée, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va le faire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va se déplacer pour venir dire quoi que ce soit. Ça, ce n'est pas votre problème. Vous, les gens qui sont là, qui ont été là, les gens que j'ai cités, il y en a d'autres. Parce que quand c'est quelqu'un qui a un nom de famille Peul, les gens s'en fichent, je vous dis. On dit, ah, laissez les Peul là, Yanni. Ça fait combien d'années que les gens parlent ici? Ça fait combien d'années? Qu'est-ce que ça a donné? Ça fait combien d'années qu'il y a des manifestations? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ne vous manifestez pas. Ne manifestez pas, restez chez vous. Oh, il faut un truc populaire. Il faut que les gens sortent. Il faut que les... Ne sortez pas, restez chez vous. Vous êtes sortis? Mamadi Doumbouya n'est pas venu le prendre comme un chiot. On l'a ramassé comme un petit chien et le faire traverser dans toute la ville. Vous auriez pu faire ça. Vous auriez pu faire ça. Ça aurait pu prendre cette ampleur que ça a pris là aujourd'hui. Et ceux qui sont en train de faire, Alpha les fait pitié. Il faut arrêter ça. Oubliez ça, la pitié là. Ce sont les sacrifices qu'ils sont en train de faire pour faire que, pardon, la population ait pitié, pour faire que. Et maintenant, si la population a pitié, ou vous ici, vous avez pitié au fond de vous, ça se répercute sur lui là-bas. Ça lui donne de la force. Ça donne la force aux vauriens et aux bonariens qui sont en train de le défendre. Et ça le renaît. Vous avez pensé à Mamadi Doumbouya et à son équipe? Combien d'hommes? Vous pensez qu'ils vont le laisser? Pardon. Allô? Hein? Et on m'a intervenu fin, hein? Attends, attends.
Elle m'a dit, elle a coupé de je te mets sur le haut-parleur. Power on. Attendez, hein. C'est une tata qui veut parler. Connected. Ouais. Allô? Allô, oui, je suis là. Ah, ouais, tata. On est là. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Marie. Bonjour. Remercions sincèrement cette dame qui consacre vraiment toutes ses forces pour notre peuple résigné. Merci à vous aussi qui venez la suivre et la soutenir. Alors, la façon dont nous soutenons cette dame, j'aurais souhaité que nous apportions notre soutien de la même façon à Mamadi Doumbouya. Oui. Mamadi Doumbouya, c'est comme un messie pour un peuple résigné. Vous savez, la Guinée est un peuple résigné. Le peuple guinéen n'est pas belliqueux. Oui. Vous ne verrez aucun Guinéen qui s'explose au nom d'une idéologie. Ne croyez pas que ce monsieur qu'on nous a débarrassé aujourd'hui va nous laisser une idéologie. Jamais. Les gens qui sont en train de chanter par-ci, par-là, c'est des gens qui touchaient des 1000 euros. C'est normal qu'ils soient comme ça sur Facebook. Moi, j'en ai même entendu. Je vais démolir UFDG. Je vais détruire UFDG. Mais Selou, il a fait quoi? Selou n'est pas Mamadi. En tout cas. Selou n'est pas Mamadi. Qu'on s'attaque à Mamadi. Mamadi, c'est une légion étrangère française. Si vous ne savez pas, quand on est légion étrangère française, on va au combat sans papier. Les gens qui entrent dans ce truc, dans cette institution, ils sont sans papier. Ils se battent. Ils vont dans les combats sous X. Quand ils reviennent, ils ont remporté la victoire. C'est là qu'on leur donne la carte française avec leur propre nom. Alors, ce monsieur n'écoutera pas les Africains. Cette organisation qu'on appelle CDAO, là, c'est une institution de merde. C'est une association de voyous, d'escrocs, de cupides. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Ils n'ont pas de leçons à nous donner. On a vu quand des enfants se faisaient tirer dessus partout en Guinée, sur l'axe. Je suis fière des enfants de l'axe. Moi, je suis de l'axe. Je suis fière de ces enfants-là, je suis de l'axe. Voilà. Qu'est-ce que la CDAO a fait? C'est normal, ils en ont parlé. Ils ont dit, ouais, il faut arrêter de massacrer son peuple, ceci, c'est cela. Mais quelle sanction a été prise à l'encontre de ce monsieur? Rien. Aujourd'hui, s'ils viennent chez nous, ils viennent demander de l'argent à Mamadi. C'est moi qui vous le dis. On les a vus à l'hôtel, quand ils sont venus falsifier les résultats, on leur a donné de l'argent, beaucoup d'argent. Ils sont partis avec, même des lingots d'or, ils en ont pris. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de crainte. Ne craignez rien du tout. C'est des fausses institutions. C'est leur devoir. Ils sont venus avoir des relations avec notre sauveur. Eh, il n'y a de Dieu que Allah. Allah. Et son prophète, Rasoul Mohammed, alayhi salat wa salam. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On n'a rien à nous dire. Ne craignez rien. Ce monsieur, il ne reviendra pas. Inch'Allah. Il ne reviendra pas. Même si Mamadi lui dit aujourd'hui, papa, reviens au pouvoir, je te le cède. S'il a une petite dignité minime que soit, il dira non. La façon dont il a été humilié, aucun chef africain n'a été humilié de cette façon. Donc ne craignez pas que ce monsieur reviendra. Les chanteurs n'ont qu'à chanter. On n'en a rien à foutre. Moi, j'ai eu des animosités par rapport à ça. Mais écoutez, moi, je ne me fâche pas quelqu'un pour sa conviction. Pour son choix politique, si tu veux, choisis telle personne, laisse-moi avec mon choix. Si tu es fâché, va boire de l'eau et tu te couches comme le dit Grand P. Moi, j'en ai rien à foutre. Alors, Guinéens, ne craignez rien. Ne craignez rien, soutenons Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est en train de nettoyer la Guinée. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas au courant, leurs comptes sont bloqués. Oui. Oui, vous pensez que les gens seront contents pour ça? Maisons, 150 immeubles, 450 maisons, des sociétés. Où est-ce qu'on va? Alors que la Guinée souffre, un peuple résigné,
Vous savez, la Guinée, c'est une cocotte minute. Aujourd'hui, elle s'est explosée. Mmh. Et on n'y peut rien. Ouais. Même la République, le roi est mort. C'était moi, Kadir Samara. Allez-y boire de l'eau si vous êtes fâché de moi. Je n'ai rien à foutre. Attends, voilà. Merci pour l'écoute. Merci beaucoup, Tata. Merci beaucoup, Tata. Je n'ai même pas mis le numéro aujourd'hui pour que ceux qui veulent intervenir. Tata, excuse-moi, j'ai coupé même. Pardon. Autant. J'avais pas prévu ça. Puis je sortais même là. Profiter aujourd'hui pour faire mes trucs. C'est le 06 27 85 89 96. 00 33 6 27 85 89 96. Celui qui demande, je ne sais pas où tu es, en bas là, c'est le 06, si tu es en France, 27 85 89 96. Si tu n'es pas en France, 00 33 6 27 89 27 85 89 96. Si vous n'êtes pas il faut cliquer sur la page là, comment on appelle ça, le numéro est là-bas. Si, il faut cliquer sur la page. Ah, c'est Tata Camara qui est souvent Kadiatou Hélène Camara qui est souvent là là. Le, voilà, Karim Diallo, il faut, celui qui demande le numéro là, il faut leur dire. Il y a des gens qui ne comprennent pas, même quand c'est affiché, ils ne comprennent pas quoi. Voilà, c'est un peu compliqué. Tous les jours, il faut que tu dises, il faut que tu dises, il faut que tu dises. La CDAO, c'est leur argent qui les intéresse. Ceux qui m'appellent sur WhatsApp là. Ah, alors, Yann, Madame Michel, ouais. On a souhaité la nalebe. Mirin de ma comprendre moi. Allô? 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 Eh, c'est pas bon, je vais dire. Allô, oui? Allô? Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça? On vous reçoit très, très mal, hein. Wallahi, très mal même. Attendez, je vous rappelle, je coupe, je vous rappelle, hein, pardon, Inch'Allah, il faut couper. Attendez. Ok, c'est ça. Moi-même, je suis déchargée aussi. Allô, bonjour. Oui, excusez-moi, hein, je suis déchargée. Ah, d'accord, c'est pour intervenir, parce allez-y, que je viens de voir votre émission là. Allez-y, on vous écoute. Franchement, c'est très intéressant. Et voilà, Mouniagali Mora, Fangira, la Guinée Rafana, Mbima, Alamma, Nyagali. Vous comprenez? C'est une fierté pour tous les peuples. Mm-hmm. Voilà. Alors, on est à Falmanaki. Moumando, Mouna Omatofe, Anna Otaki. C'est des personnes, je regarde certaines émissions ici, la grande sœur. Alima, Rigoli Nansouroma, vous comprenez? Ouais. Parce que ce changement, ce n'est pas pour un individu, ce n'est pas pour une ethnie. Il y a les gens qui disent, il y a à chaque fois. Que faire à la Guinée? Il y a des gens qui disent qu'ils aiment prononcer le nom de Selou pour avoir quoi à manger. Est-ce que Selou a quelque chose à voir dans la grande chair, par exemple? Oui. Non. C'est ça. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a Selou, il a quelque chose à voir dans ça? Maintenant, ça, c'est la libération de tout un peuple conscient. Mon frère, je vais vous expliquer ce que Selou a à voir dedans et l'UFDG. Vous comprenez? Oui. Si Selou avait reconnu la force victoire de Alpha, si on ne parlait pas de ça, finalement, Mamadi Doumbouya n'allait pas faire ce qu'il a fait. Donc pour eux, c'est Selou, c'est de sa faute. C'est le combat de Selou qui a mené Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est l'UFDG qui a poussé Mamadi Doumbouya parce qu'il s'est dit, eux, ils n'ont pas eu de salaire depuis 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a d'autres problèmes. Il a été menacé. On l'a
bon, il a eu beaucoup de problèmes. Tout ça vient de ces élections-là. Et lui aussi, il est sali à la CPI. Ouais. Il a fait, c'est-à-dire, il s'est sali à cause de Alpha. Il se rend compte aujourd'hui que Alpha l'a utilisé comme il a utilisé tout le monde. Donc, il faut qu'il sauve sa pauvre tête. Donc, qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont dire, mais c'est, si ce n'est pas assez lourd, Mamadi n'allait pas arriver à ce niveau-là. C'est ça la vérité. C'est pourquoi vous devez comprendre ça. C'est tout. Vous comprenez? Ça c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Non, j'ai bien compris, madame, j'ai bien compris. J'ai bien compris. C'est vrai, mal à comprendre quoi, mal à comprendre. Namotouma, l'Elbiring et Farmaïki, IFDG, IFDG. Donc si je comprends bien, c'est celui IFDG qui fait le changement en Guinée, les autres ne veulent pas, parce que la souffrance qu'on voit là actuellement en Guinée. Mais ma grande sœur, nous sommes des tonniers, la Guinée n'est pas mon ménage, mon nom, je ne peux pas les en vouloir trop. Alors, on t'a mérité, n'est pas un bébé. Parce que, regardez par exemple, ce que Alpha Condé a fait là, par exemple, toi là-bas, tu es troisième mandat. Maintenant, qui a ton fang en acquis? Est-ce que tu as bête nana, n'est pas la galamane, tu as bête nana, n'est pas un dernier matin d'arrêt? Ou bien, est-ce que tu as augmenté en acquis? Est-ce que étant 5 000 en prime, bon, étant 10 000? Vous comprenez? Moi, je vois des personnes ici, et à analyser Gouroun, wallahi billahi. Et à analyser, il a mis au Alpha Fora, il a mis au Alpha Fora, mais la manara. Il y a trois catégories de personnes qui suivent Alpha. Être pour l'ethnie, pour leur intérêt et ceux qui n'ont rien dans la tête. Tu sais, il y a des gens qui n'ont rien dans la tête, rien du tout. Voilà, ils traitent les gens de menteurs. Mais on connaît les menteurs. Puisqu'il y a des gens qui ont dit, il paraît qu'il y a des gens qui ont dit que le coup d'État là, il est faux. Le coup d'État là, il est monté. Jusqu'à présent, il est monté. On a vu les vidéos, on a vu les photos. Donc les gens doivent se rendre compte aujourd'hui qui ment et qui ne ment pas. Comme Tata Kadiat vient de dire, il y a des gens qui reçoivent de l'argent. On ne va plus les payer. Moi, j'ai déjà dit, c'est des bons arrières que Alpha paye. Qui il est là-bas aujourd'hui, qui peut faire quelque chose? Ce que la CDAO fait, c'est une formalité. Mais ce que je vais dire aux gens de l'UFDG, il faut qu'ils comprennent une chose. On est dans mon malaffaire. CDAO, c'est des forfaitures. Mais on est dans mon mal. C'est des clans bandits réunis. Vous voyez, non? Alors, ce que la dame vient de dire, ils sont venus chercher leur part chez le gars là aussi, pour, bon, comme d'habitude. Quoi. Ouais. Donc, je vais vous laisser. Je vais essayer de. Parce qu'il y a d'autres personnes, il y a des appels en absence pour voir s'ils vont rappeler. Juste une minute, la terre avant de finir. D'abord, je vais me présenter à vous. Moi, je m'appelle Souleymane Diallo, mais on m'appelle Zidane. J'habite à Bruxelles. Et je vais juste dire une chose aussi. La Guinée Birim, la Guinée Rafana Birim, elle a mané à Dieu soutenu. Elle a mané d'abord, elle a été nettoyée à Panira. Nous avons élection faite par la Sénée. Mais nous avons élection faite à Arras, à Arras. Il y a un nettoyage de la Bassine. Parce que, il y a un mort, la Guinée Tongoa, en otage pendant 6 ans. Maintenant, Dieu nous fait au moins 2 ans, 3 ans. Elle a nettoyé à Panira, fait élection à la Bassine. Tout à fait. Voilà, mais qu'elle a fait. Yo. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, ma grande sœur. Merci beaucoup. De rien. À bientôt, Inch'Allah. On est ensemble. Allah ira tanga mobe. Amina. Celui qui dit là qu'il veut intervenir. Allah. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va. S'il vous plaît, je vais intervenir moi aussi. Parce que je vous suis très longtemps déjà. Je suis tout le temps votre page. Mais je ne m'exprime pas très bien. Allez-y. Par rapport à... Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. Allô? Allez-y. Allô? Vous m'entendez là? Oui. Allez-y, on vous entend. Allô? Oui, allez-y. Attendez. Je vais rappeler. Le numéro, c'est le 06 27 85 89 96. 00 33 6 27 85 89 96. Allez-y, on vous écoute. C'est les gens qui appellent en même temps quoi. Intervenir
Allez-y. Ok, ça va. En fait, c'est par rapport à... Allô, oui, vous m'entendez là? Très bien. Allez-y. Les gens appellent en même temps. Votre intervention aujourd'hui, c'est parce que nous, les IFD10, on ne comprend rien, on ne comprend pas, on ne connaît pas la politique, on ne connaît rien. Les gens vont aller sur les pages de valeur. C'est pour, uniquement pour les données de valeur. Parce que quand vous rentrez dans leur page, vous commentez. Si vous commentez, et les au fur et à mesure qu'ils ont des commentaires, c'est comme ça qu'ils vont donner la valeur aux gens qui critiquent les IFDZ. Oui. C'est pas normal. Oui. Il faut les oublier, il faut les oublier totalement et carrément. Et il y a des gens aussi qui commencent à mettre les photos d'Alpha Condé pour dire qu'Alpha Condé est parti, Alpha Condé est parti. Vous ne savez pas que vous êtes en train de le réveiller. C'est comme vous avez dit. Oui. Merci, mon frère. Vraiment, quand il merci. Est parti, il faut l'ignorer, il ne faut même pas avis. Même pas rentrer dedans, il faut ignorer complètement. Si vous ne regardez que cette chose, allez-y sur les pages que vous avez dit. Votre page est là. Il y a Asie, il y a peut-être Tola, il y a Fama Kanté. Vous pouvez pas regarder, prendre des. Il y a FPZ qui sont là depuis des années en train de mélanger la population guinéenne, en train de mettre de l'ethnocentrisme. Vous allez là-bas pour commenter pourquoi? Pour rien. C'est pour les donner des valeurs. Vous m'entendez? Très bien, je suis là. Mais voilà, moi, c'est ce que je voulais dire, parce que votre intervention aujourd'hui, ça m'a beaucoup plu. Franchement, madame, ça m'a beaucoup plu. Et les gens de l'IFDZ, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien, ils ne connaissent pas la politique. Le daddy, c'est comme ça. C'est eux qui sont le premier à venir commenter, je ne sais même pas quoi. Cette Bakonate a pris, ils ont commencé à faire des murmures. Cette fois-ci, lui-là, il est comme ça, il va donner les peules ou quoi, Malinké ou quoi, Soussou. On en a marre de ça. CDAO, laissez CDAO tranquille. CDAO, c'est une institution politique. Ils n'ont qu'à laisser affaire de CDAO. CDAO va régler avec Mamadi Doumbouya. Ils vont régler avec lui. Ils n'ont qu'à laisser cette. Ils n'ont qu'à s'asseoir tranquillement, regarder ce que Mamadi est en train de faire. Si c'est bon, on l'applaudit. Si c'est pas bon, on le dit. Monsieur Doumbouya, est-ce... Il y a des gens qui appellent en même temps, quoi. Attendez, il y a des gens qui appellent en même temps, donc on vous entend pas. Ah, ok. Je dis franchement, les IFDZ, franchement, moi, ils me font trop pitié, quoi. Moi, franchement, ils me font vraiment, vraiment pitié. Parce que quelqu'un qui t'aime pas, tu crois que tu vas aller chercher chez lui, quoi? Voilà. Tout ce qu'il va faire, c'est contre toi. C'est incroyable, ça. Tout ce qu'il va faire, c'est contre toi. Moi, franchement, j'ai la tête, ma tête me fait très, très mal. Franchement, ce que vous avez intervenu, j'ai même écrit beaucoup sur beaucoup de pages que j'ai écrit ce que vous avez dit aujourd'hui là. J'ai déjà écrit ça sur beaucoup de pages pour dire que vraiment les gens, ils n'ont qu'à arrêter d'aller intervenir ou commenter, même pour aller insulter là-bas. N'insultez même pas, ne regardez pas. Ils vont se fâcher. Non, ils sont. Comment ils sont, quoi? Quelqu'un qui vient t'insulter, il n'a qu'à insulter. S'il insulte, tu ne réponds pas. Est-ce qu'il va continuer tout le temps à être insulté? Non? Vraiment? Franchement. C'est incroyable. Ça fait 3 jours non, que les gens m'appellent pour me dire ça. Je ne considère pas, mais je lui dis, ah, vraiment, là. Non, franchement, votre direct aujourd'hui, ça m'a beaucoup plu. Moi, vous avez fait beaucoup de directs. Je n'ai jamais intervenu, même autant de quand Alpha était là, le danse, le temps que ça chauffait. Je vous suivais tout le temps, mais je n'ai jamais intervenu. Mais cette fois-ci, j'ai dit, bon, attends, moi, je vais mettre ma bouche dedans aussi.
pour essayer de parler un peu. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont entendre ça. Ils vont faire attention à ça, quoi. Mmh. Ils n'ont qu'à laisser affaire de CDO, affaire de ça et ça. Tout le monde n'a qu'à s'occuper de son truc. Tu es travailleur, va travailler. Tu es boulanger, fais ton truc. Tu es je ne sais pas quoi. Fais ça. Laisse la politique maintenant. Laisse les politiciens et la politique et les gens qui ont pris le pouvoir. Laissez-le travailler tranquille. Arrêtez vos commentaires. Si vous voulez prendre des renseignements, venez sur la page de Marie. Allez-y sur la page de soit Asie ou un autre. Même si c'est un épisode qui parle la vérité, il faut aller le suivre. Mmh. Parce que quelqu'un qui parle la vérité, il n'est pas à cacher. Mmh. Il n'est pas caché. Mmh. Mais quelqu'un qui ne parle jamais de la vérité, quelqu'un qui essaie toujours de mélanger. Moi, de je veux mélanger dire quelque chose. Je ne sais pas si vous. Tous leurs combats, toutes leurs vidéos, c'est ethnique. Je... Vous êtes là-bas. Oui. Quand même. Madame, je ne sais pas si je parle. Si je parle sur votre page, au nom de quelqu'un ici, ça va vous plaire ou pas? Non, il ne faut pas parler de nom de quelqu'un ici. Hein. Moi, je ne fais pas la publicité de quelqu'un. Il ne faut pas parler de nom de quelqu'un, pardon. Ok, il y a un gars, je vais juste le donner un peu. Il y a un gars qui est vraiment, vraiment... Et Allah. Je pouvais vous dire, il y a eu un moment en Guinée, c'est comme si c'est lui qui était le président. Parce que quand il parlait, même le gouvernement prenait acte de ce qui. S'il oui. parle ça aujourd'hui, demain, c'était, mm-hmm. c'est ça qui va passer directement à Conakry. Oui, ils oui. vont appliquer. Oui. Ça là, et commenter ces vidéos, mm-hmm. l'insulter, mm-hmm. le mettre en valeur. Mm-hmm. À quoi vous l'ignorez pas? Il est vraiment formé, spécialement formé. Mm-hmm. Moi, à un moment donné, je voulais même moi aussi faire des vidéos pour le contredire, mm-hmm. pour le mettre un peu... Parce que moi, je comprends tous ses plans. Mm-hmm. Tous ses plans. Mm-hmm. Tout ce qu'il est en train de monter, je le vois, c'est comme... C'est même pas caché. Il ne faut même pas être bête pour... Il faut être vraiment bête pour ne pas voir ce qu'il est en train de faire, quoi. Mm-hmm. Mais les gens, ils vont aller là. Je vous dis, le gars, il est vraiment, vraiment, vraiment... dangereux. Quand il parle, je vous le jure, madame, c'est ce qui va s'appliquer directement à Conakry. C'est comme si c'est lui qui était le président. Mais les gens ne comprenaient pas ça. Ils le prenaient comme un bouffon, quelqu'un qui parle trop, qui parle. C'est lui-même qui a déstabilisé celle. Je vous le jure, c'est lui qui a déstabilisé celle. Mais les gens ne croient pas. Il a été le premier à déstabiliser celle. Et continuez à aller le voir. Continuons, ils n'ont qu'à continuer de le voir, de lui mettre en valeur, de suivre ce qu'il est en train de dire. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Les gens, ignorez-le, laissez-les avec les épaisistes. Ils vont commenter leurs vidéos là-bas, ils vont faire tout ce qu'ils veulent là-bas. En tout cas, vous voyez, les militants. Quoi? Vraiment, je vous remercie, madame, que Dieu nous pardonne tous les péchés. Vraiment, je vous dis merci beaucoup, madame. Merci, c'est vraiment gentil. Merci à vous. Vous faites un grand boulot. Vous faites un grand boulot. Mais c'est le seul Dieu, le bon Dieu qui va vous payer. Mm-hmm. Personne ne peut vous payer. Le seul Dieu qui va vous payer. Merci vraiment. Merci. Merci beaucoup à vous. Ah, une très bonne intervention. Mais quand on a ma fille arrive là-bas. Et moi, là-bas, tout le oh, Dieu. Allô? Allô? Oui, bonjour. Comment ça va? Allô, quoi? Bonjour. Allez, ça va, Dieu merci, alhamdulillah. Et vous? Bien. Mm. S'il vous plaît, c'est Marie Sissoko? Oui, c'est moi-même, monsieur. Allez-y, on vous écoute. Bon, je vais rappeler les numéros français, hein. Allô? Oui, excusez-moi, je me permets de vous appeler parce que vous avez appelé tout à l'heure. Bonjour. Oui. Madame Sissoko. Oui. Allez-y. Voilà. Encore, on a un problème à la Guinée-Québec. Ah.
réponds pas. Quelqu'un qui est en Guinée, quoi. Allô? Oui, bonjour, madame Sissoko. Bonjour, comment ça va? Allô? 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 Oui, allô? Comment ça va? Allez-y. Bon, vous m'excusez d'abord un peu. Je vais juste remercier un peu le peuple de Guinée et de saluer d'abord tout le... Aujourd'hui, je suis vraiment content. J'ai compris aujourd'hui que le peuple de Guinée n'est pas divisé. On nous faisait comprendre qu'on était divisé, il y avait la haine entre nous, mais il y avait juste un groupe de personnes. Allô? Ce matin, j'ai regardé un direct de Mandiana où les jeunes de Mandiana qui sont sortis pour soutenir le coup d'État. Vous voyez que la Guinée est une famille. La seule chose que je peux profiter de votre direct pour parler à M. Toumbouya, c'est de faire tout possible pour sortir par la grande porte. Et faire comprendre qu'aux Guinéens, la manière dont on leur a... Il fait les choses comme il a parlé, la manière dont il a commencé au début. Il ne faut pas qu'il soit un certain Dadis Camara, qu'il soit un certain Raoult. Maintenant, je viens au niveau de la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO, c'est Commission des États des délinquants de l'Afrique de l'Ouest. Des dirigeants, quoi, de l'Afrique de l'Ouest. C'est une commission des bandits. Si vous vous rappelez, maman, un jour j'ai intervenu dans votre direct en vous faisant comprendre que vous êtes une mère. Est-ce que vous allez accepter qu'une personne vienne tuer votre enfant, un enfant de 5 ans, un enfant de 5 ans qui n'a absolument rien fait? Non. Mais quand on tire les Guinéens, il y a eu plus de 200 morts. Est-ce que la CEDEAO a y a parlé? Non. Non. Ils n'ont pas parlé. Vous vous rappelez, quand il y a eu le président de la Guinée-Bissau, il a eu à parler à la CEDEAO pour à Fakonde. Vous vous rappelez de ça? Oui, très bien. On a eu des vidéos ici où les mêmes dirigeants de la CEDEAO, quelques dirigeants qui nous ont fait comprendre qu'Alpha Condé tue même les gens au cimetière. Il fait même la guerre jusqu'au cimetière. Les gens sont partis enterrer les gens et il tue les gens au cimetière. Est-ce que la CEDEAO a eu à parler? Non. Peuple de Guinée, il ne faut même pas même qu'on va écouter ces gens-là. Ce n'est pas eux qui vont développer notre pays. Le sauveur, le Messie, il est là. Ce Messie qui Dieu nous a donné, soutenons-le et donne-nous la main. Parce qu'aujourd'hui en Guinée, je suis sûr à 100%, si vous constatez bien aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, même les RPistes, ils ne font plus du racisme. À cause de ce qui s'est passé. Mon frère, excusez-moi. Ce côté-là, je vais vous dire une chose, ça c'est la manipulation. Toutes les personnes qui ont soutenu Alpha Condé, toutes les personnes qui ont soutenu Alpha Condé sur les réseaux sociaux, à 90%, c'est des soutiens ethniques. C'est des soutiens ethniques et c'est des anti-peuls, il faut le dire. C'est ça la vérité. Il ne faut pas se laisser berner pour ça. Maintenant, excusez-moi, mon frère. Excusez-moi. S'il y a des gens qui partent sur ces pages-là pour dire que non, leur côté ethnique, ils ont laissé tomber, ils veulent attirer les gens. Vous allez rentrer, ils vont vous enfermer dedans. Ça même, il ne faut même pas dire ça sur nos pages. Ces gens-là sont dans un combat ethnique, point barre. Voilà. C'est ça. Maman, moi, je ne suis pas peuldée. Donc, je sais ce qui s'est dit. Oui, je suis de même. Je vais vous faire comprendre que dans la dictature, il faut trouver un ennemi à l'interne. Oui. Tous les dictateurs, ils ont un ennemi à l'interne dans le pays, dans leur propre pays. Forcément, ils doivent avoir un ennemi. Oui, pour pouvoir diviser, pour régner. Les gens là, je vous donne un exemple. Si je vous fais comprendre qu'il y en a parmi eux, mais ce n'est pas
tous. Mais ils étaient obligés parce qu'ils aimaient une personne par intérêt peut-être, ou bien mais, par amour. Mais quelqu'un qui aime par... Mon frère, quelqu'un qui aime par intérêt, moi je ne peux pas te suivre. Je vais vous laisser. Vous faites une très très belle intervention, mais ça fait bientôt 5 minutes et il y a d'autres personnes. Vous savez que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de monde et tout. Je vais essayer d'accord. D'appeler bon, le dernier mot que je vais dire, le dernier mot que je vais dire, vraiment, le colonel Doumbouya, sortez par la grande porte, ne soyez pas incertain d'Addis Camara. Et merci, maman. Merci à vous et Dieu merci. Les RPGistes qui parlent ici, sur Facebook, 90%, c'est des ethnos. C'est moi qui vous le dis. S'ils sont en train de dire les bonnes paroles aujourd'hui, pour ceux qui vont les regarder, c'est pour vous attirer. Vous allez rentrer, billahi wallahi, vous allez voir un autre visage. Vous avez vu avant les élections comment c'était. Quand les élections sont finies, ils se sont attaqués à toutes les communautés. Sous-soupeux, tous les jours les insulter. Aujourd'hui, on les attire encore. Pour eux, c'est de la manipulation et de la méchanceté. Pour vous, c'est ça la politique. Alpha ne peut rien apporter à la Guinée. Maintenant, ce que le monsieur dit, il a totalement raison. Les gens défendent par intérêt personnel. Quelqu'un qui défend par intérêt personnel, tu aimes ton pays. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de quelqu'un qui a son intérêt personnel? Mais c'est un imbécile. Il n'a qu'à dégager. Il n'a qu'à aller chercher Alpha. Parce que l'argent a baissé. Ou bien là. Moi, j'avais dit, si j'ai dit Alpha paye des bonnes à rien. Des bonnes à rien. Ils n'ont pas été capables de faire gagner ce monsieur dans les urnes. C'est la manipulation seulement. Maintenant, quand vous vous mettez à regarder ça et à partager, les gens regardent. Il y a des gens qui surveillent. Les gens surveillent les réseaux sociaux. Les gens surveillent les réseaux sociaux. Ah, ils parlent d'Alpha Condé. Ah, il y a 50 000 personnes qui ont regardé. Oh, il y a 200 000 personnes qui ont regardé. Il y a 1 million de commentaires. Il y a 2 millions de commentaires. Il y a 2 millions de personnes qui ont regardé pendant qu'on parle d'Alpha Condé. Donc, on le réclame. Il y a des gens qui partagent ça. Ah, un maudit. Quelqu'un qui suit un maudit. Quelqu'un qui se bat 40 ans pour sortir un résultat d'un an de combat. Et voilà, quelqu'un qui défend ça, même si c'est un membre de ta famille. Sors-le de ta vie pour l'instant. Parce que ça, c'est ça. Lui, il est plus maudit. Il est plus maudit qu'Iblis. Celui qui a maudit. Celui que Allah a maudit. Il est alpha et homosexuel. On est venu le retrouver seul. En tout cas, pas avec sa femme. Il reste quoi encore? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que ces gens-là vont venir vous dire ici? Il était question que les peuples attaquent la Guinée ou bien? Les frontières ont été fermées. Les gens n'ont pas dit ça ici. Vous écoutez ceux-là encore. Que parce qu'ils ont changé. Vous n'avez rien vu. Ça vient. Ça va venir. On est là. On vous fait faire à Koulou. Ceux qui viennent insulter ici, il faut insulter. Moi, je suis votre sens interdit. Inch'Allah. Votre sens, il faut insulter. Votre Genekaba, la garce, c'est là où? Genekaba est où? Comment les gens peuvent passer des mois même à parler aux RPGistes, les vrais RPGistes? Comment ce genre de personnes peuvent vous parler ici? Vous-même, vous savez qu'ils mentent. Vous les regardez. Bon Dieu de bon sang, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Hein? Alpha aura mérité, madame. Alpha dribble vos parents. Il se fout de vos parents. Il se fout des Guinéens, il se fout de la Haute-Guinée. Et il y a des gens qui soutiennent ça. Vous vous dites que ceux-là vous aiment. Il y a des gens qui soutiennent par rapport à leur propre ethnie. Regardez encore seulement les informations que moi j'ai reçues, ceux qui sont en train de faire les vidéos. Il faut regarder ceux qui sont en train de faire les vidéos encore ces jours-ci-là. Moi je reçois les informations tous les jours. Tous les jours les gens m'appellent pour me dire. Et c'est même pas les gens de l'UFDG qui me disent. C'est ça le problème. C'est pas les gens que j'ai appelés à agir. J'étais très fâché aujourd'hui. Je dis, mais il y a des trucs comme ça qui se passent. Vous ne vous dites pas à vos militants de se calmer. Hein? Moi, je ne suis pas de l'UFDG. Hein? Je dis, moi, il ne faut pas gâter ce que j'ai fait. Vous pensez que 10 ans, vous manifestez. On vous tue. 10 ans. Personne ne s'est levé. Aucune ethnie ne s'est levée. La communauté internationale n'a rien fait. La CEDEAO n'a rien fait. Mes frères et sœurs, vous pensez que c'est dans les urnes? Vous pensez que le pouvoir, c'est dans les urnes? Omaye Lembe. Omo Sese Akolo. Continuez. Ce que le monsieur là vient de dire là. Les gens là ne regrettent rien. Ils ne regrettent rien. Rien du tout. Celui qui vient d'écrire ici que Ibet Hoffman là. Oui, moi mon père est maudit.
Ma famille est maudite, oui, c'est vrai. Mais l'humiliation que Alpha a eue là, lui, Allah l'a maudit, Iblis l'a maudit. Toi, je ne peux pas dire que ta famille est maudite. Mais Alpha, lui, il est maudit. Oui, il a eu une humiliation universelle. C'est ce qui vous empêche de dormir. Parce que vous pensez qu'il était waouh. Il n'est rien. Je vous ai dit, Alpha n'est rien. Quelqu'un que Dieu aime, il ne peut pas te faire ça. Quelqu'un que Dieu aime, il ne te fera jamais ça. Ce que Alpha a eu. Ça, même si Alpha va aux États-Unis, président de la République, vous êtes des gens, vous n'avez pas honte. Ceux qui soutiennent Alpha n'ont pas honte. Wallahi, on y a guima. On en est où, ma tourmanée, non? Allô? Allô, bonjour, madame. Bonjour, comment ça va? Là, ça va, merci. En fait, excusez-moi, j'aimerais bien parler un peu sous. Allez-y, on va. Voilà, en fait, je voulais dire que d'abord, je salue tout le monde là-bas en Guinée, et puis là, il avait vécu tout le monde. Donc, à un moment donné, ex-président, nous avons appelé Manakine. Depuis un RFA, un RFI, bon, Babouri, un RMI, c'est qui t'a roulé. Mais, bon, tout en foulé, nanana, mais je ne suis pas élément de UFDZ. Vous entendez? Très bien. On entend. Parce que politique, nous on entend. Nous avons un nom d'un bébé. C'est qu'à un moment donné, à l'UFA qui en avait, il mérite dans le SMBF, il fait Yahouima quoi. Yo. Parce que c'est que l'FDZ, Yahouifouri, Yahouinara. Yo. Donc, ici, à bouffer un petit niveau. Bon, bon, t'en as bouni sur Rombo, Rebecca. Voilà, bon, t'en as bouni sur Rombo, Rebecca. Donc, je n'ai pas abusé de vous tant parce que nous avons trame dans le cuir. Donc, ce n'est pas que Ali, mon goût, mais ça fera, je continue seulement à parler. Non, merci, bonne chance et bon courage. Nous, on est fiers d'être comme ça, d'être des mixtes partout, c'est fou les mannequins, on est fiers de ça, quoi. Donc, des mal intentionnés, des mal de la beauté viennent ici de raconter de n'importe quoi. Je pense que c'est ouf, quoi. Voilà, merci bien, madame, et bon courage à la aussi, ma barre. Merci beaucoup. Amin, Allah. Allô, Gabriela. Allô, Guinée-Honoré. Tu rigoles, quoi. Guinée-Honoré. La colère, elle a essayé plusieurs fois. Gama dans la quête, on dit, Mirina Mouya, t'en as fait, t'en as mouru. T'en as eu mouringa. Ah, ouais. Il n'y a pas de marame à Paris. Non, il n'y a pas de marame à Paris. Il n'y a pas de marame à Paris. Alpha Condé, je veux qu'on mette le focus sur l'essentiel. Que tous les citoyens guinéens comprennent cela. Alpha Condé est un mauvais souvenir pour nous. Il n'existe plus ce type. Ce vieux crocodile n'existe plus. Aujourd'hui, l'essentiel pour nous en Guinée, c'est quoi? Il doit rester là où il est là, actuellement. Là où il est, il ne bouge pas.
Pourquoi Alpha Condé ne doit pas bouger de là où il est? Parce qu'il nous doit de l'argent. Il nous a volé tous nos biens avec les personnes qui étaient avec lui. Donc nous, aujourd'hui, avec Alpha Condé, nous voulons d'abord récupérer tout ce qu'ils nous ont piqué dans la caisse. Mm-hmm. Ce n'est pas seulement, oui, actuellement, on a gelé leur avoir, leurs biens ont été gelés, les banques, tout ça, mais ça ne suffit pas. Ceux qui se trouvent aussi à l'international ici, il faut qu'ils donnent la clé de nos trésors. Uh-huh. Ils ont caché quelque part ici aussi. Mm-hmm. Tant que tout ça là n'est pas sorti, Alpha Condé ne doit pas bouger de là où il est. Mm-hmm. Ce n'est pas une question de personne ou de quoi que ce soit. C'est juste une question que cet argent-là, on en a besoin d'ailleurs, parce que les sanctions tombent de partout et nous, on a besoin de cet argent-là pour nous refaire. Mm-hmm. Parce qu'ils nous ont mis à terre. Oui. Et donc, aujourd'hui, tous les citoyens guinéens, vous devez mettre le focus sur ça. Mm-hmm. Maintenant, les pleurnichards qui sont sur les réseaux sociaux, qui pleurnichent actuellement, on n'en a rien à secouer de ça. Parce que nous aussi, on a assez pleuré ici. Personne n'est venu à notre secours. Oui. Que cela soit su, que cela soit clair pour tout le monde. Ils vont finir par se partir. Mm-hmm. Parce que Alpha Condé n'est pas un dieu sur terre. Ce n'est pas quelqu'un qui est irremplaçable. Mm-hmm. S'ils ne sont pas capables de s'organiser et de faire en sorte que le RPG ne plonge pas, c'est leur problème. Mm-hmm. C'est pas notre problème. Il fallait bien travailler. Donc nous, on est focus sur l'essentiel, mm-hmm. sur les voleurs de la République, mm-hmm. sur les criminels qui ont tué nos parents, qui mm-hmm. ont fait tomber des fils dignes de cette nation. Mm-hmm. Nous, on est focus sur ça. Oui. Et celui qui a pris le pouvoir actuellement, on est focus sur la personne-là aussi pour qu'il respecte ce qu'il a dit. Voilà. Point bas. Nous, c'est là qu'on est. Il ne faut même pas rester. Le jour que ça va changer... Le jour que ça va changer, ça aussi sera autre chose. Mm-hmm. C'était d'accueillir tous ces délinquants dictateurs qui ont pris l'avion là pour débarquer dans notre pays pour venir sauver, mm-hmm. pour venir sauver leurs copains. Mm-hmm. C'est ceux-là qu'il fallait recevoir aujourd'hui, mm-hmm. à bras ouverts pour leur montrer quelle est notre position aujourd'hui face à Alpha Condé. Mm-hmm. Nous, c'est ce que nous attendons. Oui. Parce que ceux-là aussi, c'est des hontes international, mm-hmm. des dictateurs finis, mm-hmm. qui ont brimé leur peuple de là où ils étaient comme président de la République et aujourd'hui, ils veulent venir nous mettre leur dictat. Mm-hmm. On est un pays souverain, mm-hmm. la dictature ne fonctionne pas sur nous les Guinéens, mm-hmm. et ça ne marchera jamais. Mm-hmm. Alpha Condé ne bougera pas de là où il est, mm-hmm. et il va vomir tout ce qu'il a avalé. Mm-hmm. Point barre. Mm-hmm. Ah, non, 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 non. Alors, c'était la Guinée en couleur. Celui qui écrit que Mamadi Doumbou est plus dangereux qu'Alpha Condé. Donc, Alpha Condé était dangereux. Merci beaucoup. On a compris. Mamadi Doumbou est dangereux. Oui, c'est Alpha Condé qui l'a fabriqué. Moi, je n'ai jamais dit qu'il n'était pas dangereux. On n'est pas là-bas. Mais Alpha Condé, lui, doit partir. Vous ne respectez pas les résultats des urnes. Vous ne respectez rien du tout. Et vous voulez qu'il n'y ait pas de coup d'État. Mais il faut savoir ce que vous voulez. On donne le pouvoir aux civils. Mais vous ne respectez pas. Vous bloquez d'aller. Vous ne voulez pas Mamadi Doumbouya. Vous voulez Alpha Condé, quelqu'un qui a 80 et quelqu'un, on vient le trouver avec 30 000 euros. Même si c'est 30 millions d'euros. Même si c'est 30 000 euros, c'est beaucoup. Parce que c'est un vaurien qui est venu au pouvoir, même pas 100 euros. Il n'avait pas même 100 euros. Parce que vous n'avez pas honte. Wallahi Otamouya Gima. Ah. Allô? Allô? Oui, comment ça va? Excusez-moi. Wallahi, vous avez beaucoup appelé. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Ah, bonjour, bonjour. Comment vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Laissez le monsieur là. Allô? Oui, allez-y, allez-y. Allô? Oui, allez-y, on écoute. Allô, vous me recevez? Très bien, allez-y. On reçoit très bien. Voilà, je dis, en fait, ce qui concerne la CEDEAO. Ah. Et alors? Allô? Oh, si vous analysez bien, mm-hmm. au moment où ce régime-là tient les manifestants, mm-hmm. en fait, ils n'ont pas joué leur rôle. Oui. Sinon,
C'est pas à ce moment-là qu'ils vont rester là à condamner. Déjà, ils ne nous apportent rien. Oui. Ils ne font rien ici. Oui. Et ils ne nous apporteront rien aussi, en oui. fait. Oui. Vous voyez? Oui. Voilà. En ce qui concerne le nouveau gouvernement, mm-hmm. les anciens ministres, les présidents des institutions là, mm-hmm. ils n'ont qu'à changer tout. Mm-hmm. Ils n'ont qu'à les changer. Parce que, mm-hmm. c'est-à-dire, c'est des personnes qui n'ont pas, qui ont tout fait leur temps à diviser les Guinéens, oui. c'est-à-dire la corruption et ainsi de suite. Mm-hmm. Vous comprenez? Oui. Voilà, en fait, c'est mon point. Nous, qu'à changer tout, les nouveaux dirigeants, les anciens dirigeants là, mm-hmm. les changer tout. Mm-hmm. Vraiment. D'accord. Okay. Merci. C'est mon point. Désolé, merci.